ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Il fait encore beau aujourd'hui, donc j'espère que vous en profitez pour vous balader, pour du shopping, pour boire un verre sur une terrasse, etc. Donc voilà, je viens aujourd'hui vous parler, comme vous avez sûrement pu voir sur ma page Facebook, etc. J'attendais une petite commande de piercing de chez Crazy Factory. Elle est arrivée avant-hier, elle est arrivée mercredi. Je l'ai commandé lundi, pas ici l'autre, et elle a été expédiée vendredi dernier. Et elle est arrivée mercredi, donc mercredi 21. C'est relativement correct, je trouve, enfin c'est bien. C'est bien, surtout que ça a mis 2 jours pour recevoir le virement, parce que j'ai choisi l'option virement, donc si vous n'avez pas de carte Visa, etc., vous pouvez faire par carte. Par virement bancaire, pardon. Et oui, bah 2 jours et demi, entre guillemets, après, dans le courant de la troisième journée, on va dire, j'ai reçu la confirmation de paiement. Et ensuite, 2 jours et demi après, le vendredi dans la matinée, j'ai reçu l'email comme quoi ma commande, elle était partie. Voilà, donc je l'ai reçue. Et après, j'ai reçu un... Non, pardon. L'email que j'ai reçu, c'était pas pour me dire que ma commande était bien arrivée vu que je l'avais. Non, c'était parce qu'en fait, dans ma commande, j'avais commandé des petites boucles d'oreilles, des petites boules rondes roses. Et lors de ma commande, j'avais pris 2 paires. Il n'y en avait plus. Donc, en fait, l'email que j'ai reçu mercredi, en pensant que c'était un email pour me dire, voilà, ta commande, enfin, est arrivée, enfin, tu vas pouvoir l'avoir. C'était pour me dire que mes boucles d'oreilles étaient envoyées, donc en fait, bah, à mon avis, si mardi prochain, ouais, peut-être lundi, mardi, ouais, je devrais recevoir mes petites boucles d'oreilles aussi. Donc je vais commencer sans plus attendre, vite fait, par ce que j'ai pris pour mon mari, qu'on a fait à deux. Ouh, c'est là que je remarque. Vous avez vu ça? Quel beau rouge! C'est en. Enfin, promenant, en faisant des courses, etc. hier, et voilà, j'ai remarqué ça hier soir. Et ben là, waouh! Ça ressort super fort à la caméra comparé à mon cou, ça fait juste bizarre. En plus, là, j'ai un petit peu chaud, donc on dirait que c'est rouge là, rien là. Donc, non, non, il n'y a pas un souci, c'est voilà, comme ça. Bref, donc, pour mon mari, j'ai pris plusieurs petites choses. Enfin. Il l'a fait avec moi, bien sûr, hein. C'était plus pour les tailles. Moi, je lui ai pris comme ça. Il est vide parce qu'il en a mis. Il a des petits piercings pour le labret, comme ceci. Voilà. Donc, il en a eu deux. J'en ai pris deux. Bah, ça, c'est son ancien qu'il a mis dedans. Oh, encore un vide. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, je crois qu'il a mis. Oui, il en a mis à l'arcade, donc c'est pour ça. Un tout petit. Fichu refait, mais je peux pas tout déballer si je perds. Un tout petit au labret. Avec une pique, un plus grand, comme ça, hop, avec des piques. Bon, ça c'est oui pour le labret ou même pour l'arcade. Ça, je crois qu'il a tenté avec des boules de fer, sinon j'avais pris des boucles d'oreilles, des piercings pour l'arcade. Ça, ceci normalement c'était pour moi. Pour mettre au labret, en fait, ça fait la barre normale d'un simple piercing. Et puis, ça fait le petit arrondi pour mettre à la lèvre. J'avais trop envie d'essayer. J'ai payé ça 84 centimes. Le tout, à part peut-être deux, trois choses, encore, je suis même pas sûre. Ça m'a coûté moins d'1 euro parce que quand j'ai commandé, non seulement c'est super pas cher. Je vais pas trop blablater parce que je vais en avoir pour des X minutes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous irez voir, ce sera plus simple. Il y a encore des promos. Je crois en ce moment, j'ai dû voir il y a un jour ou deux. Apparemment, il y en a pas mal, malgré que c'est vraiment pas cher. Et moi, sur tout ce que j'ai commandé, à part 2-3 choses, j'ai eu 50% sur chaque article. Donc voilà, ça, bah, ça c'était prix plein, 84 centimes. Il y a les petites boules qui vont avec, mais mon mari va se par là. Hein. Voilà, ça je crois que c'était par deux. Il en a mis un. Des petits piercings comme ça, tout bête, pour mettre à l'arcade. Voilà, les petits bananas. Je lui ai pris aussi 2 bêtes comme ça, 2 barres de labret, sans boule comme ça, bah, il a qu'à rajouter ou quoi. Je lui en ai pris 2 comme ça, 2 barres, il en a pris une.
Ça coûte. Oh, je les ai eu à 7 centimes pièce. Normalement, c'est 14. Donc, c'est rien, rien, rien du tout. Ils livrent en Belgique en peu de temps. Ils acceptent les virements bancaires. Donc, franchement, au lieu d'aller dépenser, comme moi, je l'ai fait, 10 euros à Bruxelles pour une banane comme ça, je savais que je me faisais avoir. Hein. C'est juste que mon mari en avait besoin. Et que, ben, je lui ai pris parce qu'il en avait besoin. J'ai dit, ben, tant pis pour le prix. Voilà. Mais c'est fini, à part pour vraiment pas cher ou quelque chose qui me plaît vraiment, on ne verra plus. Moi, je commande sur Crazy Factory et point, quoi. Et ensuite, ben, je lui ai pris deux petites boules, comme ça, le tout en argenté, parce que ben, il préfère, c'est passe-partout en même temps. Et voilà, donc tout ça, c'est le côté, youp, de mon mari. Je lui ai pris aussi un collier noir, enfin... chaîne genre imitation cuir comme ça avec une attache avec un petit pendentif et c'était 35 centimes le collier au lieu de 70 et le pendentif était à 75 centimes au lieu de 50, à savoir qu'il y a de l'acier, qu'il y a de l'argent et qu'il y a de l'étain sur le site, donc il y a le choix quoi. Maintenant c'est mon tour, hop hop hop. Moi, j'ai pas tout mis dans un seul petit truc comme lui, mais bon. Je me suis prise une petite bague comme ceci en acier. Enfin, voilà, toute bête. Que j'ai eu pour franchement presque rien. Je me rappelle plus des prix. Un piercing pour la langue, comme ça, en fait, j'en ai eu deux. J'en ai pris deux. Je sais pas, je me suis trompée et j'en ai pris deux. Ouais, c'est pas grave. Si je les ai eus, pourquoi genre 50 centimes, même pas. Pour la langue, voilà, rose, avec la barre en plastique. Je me suis pris deux barres de labret simple en plastique rose, donc c'est un embout qui se visse. Voilà. Hop, ben voilà la petite chaîne, oui, imitation un peu genre cuir. Voilà, ça se présente comme ça. Moi j'ai pris la 50 cm et mon mari la 45, à savoir, ben, il y a deux tailles, enfin. Il y en a d'autres, mais dans ce modèle-ci, il y a deux tailles. Un autre petit piercing pour la langue. Par contre, je trouve les boules assez petites comparées à ce que j'ai. Enfin, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais elles sont un petit peu plus petites. Donc, je sais pas encore comment je vais gérer la chose, entre guillemets. Alors là, c'est encore plus petit, je trouve. J'ai commandé des petites billes seules. Je crois que c'était pour mettre à la langue. Enfin, oui, mais... Elles sont toutes petites, donc je sais pas, je vais essayer de voir avec mes barres pour le labret, je ne sais pas. J'ai pris deux roses comme ça. J'ai pris un tout petit ainsi, du coup, enfin, j'ai fait l'échange avec mon mari. Voilà, parce que celui-là, il me va bien dans la lèvre. Le problème, c'est que j'ai enlevé, j'ai su le mettre, mais j'ai pas réussi à mettre la bille, c'était trop gros. Enfin, mes doigts, c'était trop petit le truc, donc voilà. J'ai pas réussi, tant pis, j'essaierai une fois seule au calme. J'ai pris deux petits labrets comme ça, donc rose avec les petites boules roses transparentes un peu. Voilà. J'ai pris deux bracelets comme ça. Ils étaient à 90 centimes au lieu de 1,80. Bon, ça va être super fragile, mais à mettre de temps en temps, parce que vous voyez, c'est la petite corde, je vais dire. Voilà, tout est tressé avec des petites perles. Alors, une petite attache comme ça. Hop. Voilà. Je l'ai pris en blanc. Et j'ai pris le même en rose fuchsia comme ça. Voilà, bah, ça va pas être le bracelet de tous les jours, bien entendu, parce que bah, c'est fragile. Je les voyais pas comme ça, mais ils sont vraiment sympas quand même. Donc voilà, même chose en rose, ça c'est gros. Moi j'aime bien. J'ai vu, ça m'a plu, donc bah, je me suis dit, allez, ça me fait deux pour le prix d'un en normal, donc je vais prendre. Voilà, ensuite, vous pouvez même acheter si vous avez un piercing ou labret. En plastique avec le trou dedans, donc pour emboîter en fait le petit bijou au lieu de le visser, et que je sais pas, vous perdez votre bijou, vous n'avez pas envie de racheter un piercing en entier, ou je sais pas, ben en fait vous pouvez acheter le petit embout tout seul. C'est ce que j'ai fait parce qu'en fait, donc mon premier piercing, j'ai perdu l'embout, donc c'est fichu, on voit pas bien. Voilà, donc c'est un embout tout simple avec un brillant comme celui-ci. Voilà, et celui-ci c'est. On voit pas bien, mais bon, c'est un de Crazy Factory aussi. C'est un plastique rose avec l'embout bah, qui s'emboîte dedans. Et c'est la même chose que ça. J'ai dû payer ça 70 centimes, trois fois rien.
Ensuite, j'ai pris deux petits, j'étais à 10, 15 centimes. Deux, c'est vrai qu'ils sont assez petits, mais deux petits piercings pour le nez. Comme ça, juste des petites barres avec une mini boule. Le devant, c'est fort petit aussi. C'est un brillant rose et un brillant transparent. Ça, vu que ce sera petit, sera pour moi essayer au labré, bien que c'est une pique, mais bon, c'était trop petit pour mon mari, donc il me l'a donné. Une petite pique toute seule. Ça, c'est mon ancien piercing, donc enfin. Voilà, j'ai payé. C'était 3 euros, donc ça va encore. Et bah, je l'ai acheté ailleurs, je l'ai mis dans la pochette de celui-ci. Ensuite, le petit bracelet, vous allez certainement reconnaître ces petits bracelets en caoutchouc où on faisait ce genre de choses avec et on le mettait à nos bras. Hein, vous avez certainement beaucoup connu. C'était donc 20 centimes au lieu de 40. Et j'en ai pris 5 pour faire 1 euro. Je sais pas, je me dis de temps en temps, j'aimais bien la couleur, je trouvais ça fun. Pour 1 euro, je me suis dit, allez, un petit retour en enfance. Donc voilà, encore une fois, moi je vous conseille vraiment d'aller voir cette boutique. Il y a de tout. Il y a. Tant pis, je ramasserai après. Il y a des lips tattoo, il y a des bijoux fantasy, il y a des plugs, il y en a des faux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des plugs pour téléphone. Enfin, les petits. Oui, des plugs, des self-plugs, c'est comme ça qu'on appelle. Il y a ça, il y a des petits trucs pour les cheveux, il y a des bagues, il y a des colliers tout faits, il y a des colliers qu'on peut faire parce qu'il y a des pendentifs. On peut faire des bracelets imitation Pandora. On peut faire les bracelets avec ce qui s'appelle les charms, donc les petites breloques qui pendent. Ils vendent même du matériel pour faire des piercings. J'ai vu les pinces, des aiguilles et tout. Je suis encore. Je crois que c'est tout, oui. Enfin, de toute façon, je vais tout vous mettre. Je vais vous mettre le site en barre d'infos. Voilà. Ensuite, en fait, normalement, elles doivent certainement ressembler à ceci. Mes petites boucles d'oreilles roses, en fait. Ça, c'est des noires et des blanches. Enfin, les perles, quoi. En fait, je me retrouve avec deux paires de chaque. Parce que, à mon avis, c'est pareil pour tout. Quand je regardais les boucles d'oreilles, il y en avait certaines qui étaient par deux sur la photo et certaines comme celle-ci toute seule. Et étant donné que c'était quoi? C'était genre 50-70 centimes avec la promo à boucle d'oreille, je me dis bah c'est certainement pour une boucle d'oreille. Ce que je me dis que c'est quand même pas cher. Donc je me fais pour avoir la paire au complet. Je vais prendre par deux. Et en fait, par deux, ben non, c'est effectivement bien des paires de boucles d'oreilles. Donc j'en ai eu deux. Deux de chaque. Et donc ben, je vais avoir pareil avec les roses. Parce que ben, j'en ai pris deux en pensant que c'était une boucle d'oreille que j'achetais. Et comme je voulais une paire, voilà. Et comme j'ai deux trous ben, ici de chaque côté, ben, de temps en temps, je pourrais mettre. Ok. Ensuite, ben, ça, en fait, c'est emballé là-dedans. Elles étaient emballées séparément, c'est moi qui les ai mis ensemble, sinon chacune était dans un sachet. Enfin, les blanches avec les blanches et les noires avec les noires. Je me perds aujourd'hui, je parle. Voilà, une petite pochette comme ça, sympa. Petite pochette cadeau. Encore une petite perle, donc elle est toute seule, enfin une petite bille. Elle est toute petite, pardon. Voilà, une rose nacrée. Voilà le pendentif que j'ai pris. Je l'ai mis dans l'autre sens, je vais le montrer correctement, celui-là. Donc ça c'est du métal, enfin c'est en acier quoi. Et j'ai pris un petit piece que j'ai payé 81 centimes au lieu de 1,62. Ouais. C'était le prix plein ou c'était le prix normal ça? Je ne sais plus. Et en dernier, j'ai pris ça que j'ai eu à 1,45 € au lieu de 2,90 €. Il y en a des plus chers aussi. Voilà, le petit hop, c'est le plug hein, on dit. Voilà, je mets. Comme il faut dans mon téléphone, voilà, c'est mignon. Bah, je me dis que va falloir faut faire attention dans le poche, le sac ou n'importe quoi. Ça a l'air fragile. Et quand je vois les prix des fois pour ça, parce que ça fait enfin, ça fait oui, Shambhala où c'est cher, je me dis oh le enfin, c'est une breloque de GSM. Vu que c'est un truc qui sort et que c'est en plastique, ben, ça peut casser à la longue ou à tout moment. Et j'avais pas envie de payer cher pour en avoir un petit comme ça brillant. Et ben pile poil, c'est tombé sur moi, c'est en promo, je l'ai pris pour essayer. Donc voilà. Aussi, mais ça c'est indiqué sur le site, mais bon, je vous le dis quand même. À partir de 20 euros, les frais de port sont gratuits.
À savoir que, je ne sais même pas les frais de port, parce que je n'ai pas regardé, j'ai tout de suite commandé pour 20 euros. Enfin, en tout, j'en ai eu pour 20,57 €. Voilà, il n'y a pas de truc douane ou quoi que ce soit. C'est arrivé dans une enveloppe comme ça. Voilà. Par contre, ce que j'ai un tout petit peu moins aimé, c'est que ici au-dessus, on voit Crazy Factory, machin chose. Donc, pour ceux qui connaissent, je suis pas fan. Et par ici. Non. Et là, disons que c'est l'espèce d'explicatif hein, de ce qu'il y a ou quoi dans la commande. Donc, c'est peut-être pour la douane, je ne sais pas. Sinon, voilà, c'est dans une enveloppe comme ça, bulle. Et on vous le glisse dans votre boîte aux lettres. Voilà. Et l'envoi, en fait, ils envoient de Thaïlande en Allemagne. Et c'est l'Allemagne qui vous l'envoie sous colis, quoi. Et aussi, voilà, j'ai tout le descriptif ici. Sauf que oui, bon, j'avoue, je ne me suis pas amusée à regarder les références pour vous dire tous les prix. Mais sinon, voilà, j'ai payé des piercings 26 centimes, 31, 46, 31, 18, 28, 11, 28, 24, 28, 21, 70, 6 centimes. Ça, je sais plus, j'en ai pris deux. Ça, à mon avis, c'était des perles, enfin des billes. 25 centimes, 84, c'est celui que je vous avais dit. 56, 61, 1,05 €. Ça, c'était un piercing complet, donc c'est trois fois rien. 13 centimes, 13, 14, 18, 7, donc ça c'est les petites barres, 18, 1,75 €. 1,75 €, ça c'était quoi? 18, ah, ça c'était ma bague. Voilà, ça je me souviens, c'était ma bague, 1,75 €. 40 centimes, 20, 90, donc les bracelets, x2, 75, 1,45 €, donc le petit sel plug. 32, 32, 81. Et ensuite, voilà, 35 centimes, donc ça c'est ce qui va arriver après. C'est mes petites boucles d'oreilles. Voilà. Donc, super bien. Il n'y a rien à dire. Moi, je trouve ça rapide. Moins de 10 jours ouverts pour. Ouvrables, pardon. Pour tout recevoir. Donc, franchement, chapeau. Oui, je recommanderais encore. Sauf le petit truc qui m'a déçu. C'est au niveau, donc, celui que je voulais mettre au labret. Avec les deux billes. Il est beaucoup trop grand en fait. Quand je le mets droit à ses jambes, ma lèvre, en fait, ma lèvre devrait doubler de volume pour que ça prenne correctement. Donc, comme mon mari a une lèvre inférieure, un peu plus grosse que la mienne, je lui ai donné. Et aussi niveau les petites billes que j'ai achetées toutes seules, que je trouve vraiment trop petites pour la langue. Moi, je me faisais une joie d'avoir des roses et tout. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, regardez bien, voire peut-être même le renvoyer un email, on ne sait jamais. Voire même mesurer avec votre lattre, parce que oui, il montre quelle partie. Donc quand c'est un piercing comme ça, il vous montre ça, il vous montre la longueur, il vous montre le diamètre, il vous montre le diamètre des boules. Et moi, franchement, j'ai pris des boules en diamètre 4. Et je croyais franchement que c'était ça, quoi. Donc ça doit être du 6, moi, mais. Voilà, je pensais mieux connaître que ça, mais bon, aussi un autre petit bon plan que je viens incorporer dans la vidéo. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la beauté, bijoux ou quoi, mais c'est toujours bien sympa. J'ai commandé ici chez Pixum, c'est pour développer des photos. Apparemment, ils font autre chose aussi. Y a même l'email sur la pochette, les numéros de téléphone. En fait, c'était. J'ai découvert un code promo pour avoir 50 photos gratuites juste en payant les 2,99 € de frais de port. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commandé il y a quoi? Il y a 2 jours? Ouais. Hier? Pas hier, c'est pas possible, si. Hier matin. Hier ou avant-hier, je sais plus, mais 2 jours au maximum. Et voilà, c'était là ce midi dans ma boîte aux lettres. Et en plus, dedans, donc je vais vous les mettre en barre d'infos si ça peut vous faire plaisir parce que je trouve que ça vaut le coup. Voilà, j'ai une livraison gratuite. J'ai un code promo pour une livraison gratuite à partir de 20 euros d'achat pour tout produit. Donc on voit qu'ils font des tasses, etc. J'ai 20% de remise sur un livre photo. J'ai encore un code pour 25 photos, pour un tirage de 25 photos gratuites. Et pour 20%, et sur 20, 20% de remise sur les posters étoiles.
Donc, ouais, c'est des grands codes promo. Mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Comme ça, ben, avec le site, allez voir si ça vous intéresse. Ben voilà, ici, ben, ok, moi j'ai eu un code. Je vais regarder s'il est encore valable pour les 50 photos. Je vous le mettrai également. Et ensuite, ben, je sais pas, et plus les 25, vous faites séparément. Et au final, vous aurez Parce 65 qu'en photos. tout, les 50 photos sans le code, j'en avais pour 9 euros. Donc voilà, j'aurais dû en avoir 9. Et ici, avec les 25 photos et les frais de port, ça vous en ferait 6. Donc vous épargnerez en tout 9 euros. Même si vous commandez en deux fois, ça va. Je trouve que ça vaut la peine, voilà, surtout que les vacances ici approchent. Allez voir, ça, j'ai pas encore fait non plus la validité du code, au cas où. Si vous avez le temps de faire vos photos de vacances ou pas. Sinon, bah, on a toujours des petites photos à faire hein, quand on a un enfant ou quoi. Voilà, moi j'ai refait des photos, j'ai ressorti des photos de mon fils, j'ai ressorti des photos de mariage, j'ai sorti quelques bêtes photos, non, de maquillage qui me plaisent, que j'ai sorti, que j'ai trouvé sur internet comme ça en tapant sur Google. Voilà, pour ne pas toujours devoir allumer le PC, que je trouve super joli, la pastèque. Pour faire ben pour pouvoir me faire un espèce de petit album ou quoi et l'ouvrir quand j'ai envie, pas simplement allumer mon PC. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez, j'essaierai d'y répondre au mieux concernant la commande ou même les photos, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Je mettrai même mon email en barre d'infos oui, mon email et ma page Facebook comme d'habitude. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.